comptoir de crêpes devant la télé. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous avez passé un bon début de week-end. Aujourd'hui nous sommes dimanche 9 décembre et il est 10h15. À l'arrière, on a planté le décor. On a mis le sapin, on a décoré la maison. Ça y est, la maison est prête pour les fêtes. Il manque encore 2-3 décos qu'on voudrait aller avec chérie dans un magasin en Belgique. Enfin voilà, c'est vraiment du plus. Parce que si vous avez vu la vidéo de lundi, vous allez voir qu'il y en a déjà pas mal. Hein. Alors, bon, quand on a accro à la déco, et en plus, chérie ne m'aide pas dans ce... à me freiner. Parce que lui aussi, il est à fond là-dedans, donc du coup, voilà. Hein. Comme là, je lui dis, mais c'est pas grave, on n'y va pas, il y en a assez. Il me dit, non. Non, il manque, là, il n'y a rien là. Ouais. Donc voilà. Donc, deux... dans la même maison, ça fait un peu beaucoup. Voilà, donc du coup, ça déborde. Non, ça déborde pas, ça va. C'est correct, enfin, un autre goût. Alors, au programme aujourd'hui, les enfants ont tiré leur petite case. Et ce soir, c'est soirée crêpes. Donc du coup, cet après-midi, on va faire des crêpes pour les loulous. Ce matin, là, je vais préparer tout de suite le repas de ce midi. Parce que après, on va aller faire 2-3 courses à Lidl. Et on va direct aller au magasin que je vous ai parlé tout à l'heure. Aller voir avant qu'il y ait trop de monde. Parce qu'autrement, cet après-midi, je crois qu'on va plus savoir bouger. Et du coup on mangera un petit peu plus tard. On mangera sûrement vers 13h30, quelque chose comme ça. Mais c'est pas grave, on est dimanche, c'est cool. Alors, le menu de ce midi, c'est un poulet braisé à la bière. Alors à la bière et à la tomate. Je sais pas si on pourrait dire braisé, parce que en fait logiquement pour moi braisé c'est au four. Voilà. Je dirais que c'est au cookéo. Voilà. C'est cuit à la vapeur. Non, c'est pas cuit à la vapeur, c'est cuit à l'étouffée, on va dire. Avec de la purée. Et en légumes, je sais pas, j'avais noté haricots verts, mais je pense pas que je vais faire les haricots verts parce que on en a mangé la semaine dernière et que j'en ai pas trop envie. Donc je vais voir ça. Bon bah déjà je vais préparer mon poulet. Je prépare les ingrédients et on y va. Alors pour le poulet, je l'ai fait dorer des os de cuisse dans la cuve de mon cookéo. Vous allez voir que c'est très simple, c'est juste un assemblement. Il y a juste à faire dorer et ensuite on rajoute tous les ingrédients dedans et on lance la cuisson. Alors, mes hautes cuisses sont dorées, je vais y ajouter un oignon et t'en as mis deux chérie, des cuillères à café et deux cuillères à café d'ail en poudre. Hop, et on va les faire dorer ensemble aussi avec le poulet. Bon, alors maintenant on ajoute une bière, donc c'est une bière de 25 centilitres, moi c'est une green, une blonde. Après vous mettez la bière que vous voulez. Au plus la bière va être brune, au plus le côté aigre de la bière va ressortir. Donc après c'est une question de goût. Moi souvent en cuisine j'utilise de la blonde pour éviter justement d'avoir ça. C'est pour les enfants en fait. Et puis moi le côté aigre de la bière j'aime pas trop. J'aime pas la bière en fait. Mais en cuisine ça va, hein, ça passe. Hein. C'est juste la boire comme ça que je voilà, j'y arrive pas. Ça manque de goût, enfin ça manque de sucre. Alors, du coup j'ai mis ma bière, j'ajoute une boîte de concassé de tomates. Tu peux me faire une cuillère à café s'il te plaît. Enfin une cuillère à soupe. Hop. J'ajoute une cuillère à soupe de moutarde. Donc la moutarde de Dijon classique. Hop. Une feuille de laurier. Et une cuillère à café, plouf, de thym. Et voilà, du sel, du poivre. Et c'est fini. Repas rapide. Et franchement, c'est très bon. C'est une recette que je fais assez souvent. Et que, voilà, avec de la purée, c'est y a pas mal de sol. Donc du coup, alors, je mets le poivre. Je mélange et je vous montre. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc du coup, moi maintenant, j'ai plus qu'à lancer la cuisson. Enfin là, moi, je vais programmer la cuisson. Donc là, moi, oui. Comme je disais, je vais programmer la cuisson. Une cuisson sous pression pour 20 minutes. Enfin, non, 15 minutes. Hop, en départ du coup. Ben, moi, différé. Donc il est 10h34. Et je vais le mettre pour 1h30. Ça va chérie? 1h30? Hop.
voilà, c'est lancé. Du coup là moi je vais mettre mes chaussures, je vais ranger un petit peu, mettre mes chaussures et on y va, on se met en route. À tout de suite. Encore manger, donc on va manger. C'est cuit, je suis en train de faire réchauffer la purée et on a bien fait d'y aller ce matin parce que là le monde commençait à arriver et on commençait à ne plus pouvoir bouger. Bon, après niveau déco je suis vraiment déçue, enfin chérie aussi, mais il y avait pas grand chose. En fait il y avait beaucoup hein, mais ce qui correspondait pas forcément à notre style en fait. Je sais pas, la déco, bah après c'est comme les vêtements hein, c'est, je sais pas vous, mais à deux moments, bah, la saison elle la collection, soit tout vous plaît ou soit rien vous plaît parce que les couleurs vous vont pas, les motifs vous vont pas, enfin les trucs ne vont, il n'y a rien qui va. Et là c'est la même chose, je trouve qu'au niveau déco de Noël, voilà, c'est beaucoup, là c'était beaucoup de trucs avec de la fourrure, après il y avait quoi, des trucs colorés dans les tons roses, c'est ça. Après je dis pas que c'est pas beau, hein, c'est juste que voilà, nous notre déco c'est, elle est différente, c'est plus dans les choses givrées, les couleur beige, un petit peu d'or dedans, donc on n'a pas trouvé grand chose, mais bon on a quand même racheté une guirlande de sapin pour mettre au niveau du miroir qu'on fera tout à l'heure, et on a acheté de quoi faire une compo que je vous ferai montrer aussi tout à l'heure. Pour les courses de Lidl on n'en a pas eu pour beaucoup, on en a eu pour une trentaine d'euros, on n'a vraiment pas pris grand chose. J'ai repris du sopalin parce que ce matin on s'est rendu compte qu'il n'y en avait plus, voilà, et quand on en a besoin, bah c'est un petit peu embêtant. Je me suis pris deux petits pains aux graines comme ça, comme je prends d'habitude chez Lidl, c'est pour moi déjeuner le matin de temps en temps. On a pris une boîte de pâté, il n'y avait plus celle qu'on prend pour princesse, donc on a essayé la gourmet. On verra si elle aime. On a pris une salade pour ce midi. Chérie a repris un petit bris parce qu'il n'y en avait plus. Des piles parce qu'avec tous les trucs de Noël... il y en a plein partout. Du poulet émincé comme ça. Je voulais prendre du poulet rôti, mais celui de Lidl, je sais pas si vous vous souvenez, hein, c'est un poulet saumuré et ensuite grillé. Donc il est vraiment pas bon. Donc j'ai préféré prendre des escalopes comme ça. Enfin voilà, émincé. C'est pour faire les sandwichs pour demain midi. C'est des wraps au poulet. Et j'ai pris une grosse brioche comme ça pour faire le pudding. Qu'on mangera sûrement plus à 4 heures que en dessert. Je le ferai après manger et comme ça vous aurez la recette et nous on mangera ça à 4 heures. Ouais, le temps qu'il cuit, enfin vers 3h30, 4 heures quoi en fait. En même temps, vu qu'il est 2 heures, le temps qu'on mange et tout, ça sera quand même pour notre dessert. Et en fait, j'ai à Lidl, c'est nouveau, c'est bien de. C'est les petites perles comme ça, je sais pas si vous connaissez. Les petites perles qu'on met dans le sèche-linge, enfin non pas dans le sèche-linge, dans la machine à laver, comme assouplissant. Ça, ça fait des toutes, est-ce que vous allez voir, toutes petites perles, mais je suis sûre que vous connaissez. Hein. Voilà, et en fait c'est super cher, hein. C'est au moins 6 euros la petite bouteille en grande surface, la marque. Et là ils ont sorti la marque Lidl. Donc du coup, et il sent franchement très très fort et ça sent très bon. Ça sent le propre en fait, le frais.
Alors moi c'est pas forcément pour mettre dans ma machine, c'est pour me faire du spray voilà, avec, parce que je me dis que ça va sentir plus fort qu'avec de l'assouplissant comme je fais avec l'assouplissant, pour faire comme du Febreze. Et en fait j'avais vu aussi, j'ai une lampe, vous voyez les lampes qu'on... Moi c'est une party light, mais c'est une lampe qu'on fait fondre des fondants, voilà. Et en fait j'avais vu qu'ils mettaient ça, et du coup ben, ça sent bon le propre chez vous, ça sent le frais, ça sent l'assouplissant. Donc je vais tester et je vous dirai si ça fonctionne bien. Donc voilà pour les courses de chez Lidl. Voilà, bon bah là du coup je vais débarrasser un petit peu la table des achats qu'on a fait. On n'a pas acheté grand chose, mais on en a quand même eu pour pratiquement 50 € à la jardinerie. Donc on a acheté une guirlande en sapin, ouais, là-bas, qu'on va installer. On a acheté la bulle que vous voyez ici, donc c'est un grand vase. Et en fait je vais faire une compo dedans avec des petites fleurs comme ça, dont des petites fleurs de Noël là, des... Comment ça s'appelle, chérie? Potentia. Enfin voilà, les petites roses là, de Noël là, qui font... Alors moi c'est blanc parce que ma déco est blanche, hein. Logiquement ils en font des rouges. Ils en font même des roses maintenant. J'ai acheté une petite guirlande comme ça, pile à LED pour mettre dedans, mais je vous montrerai. On a racheté de la litière pour la Miss Luna. Je vais avoir une rallonge aussi comme ça pour ma tenue du sapin, c'est plus simple pour allumer et éteindre. Et j'ai acheté, c'était comme de la fausse neige, c'est pour mettre dedans aussi. Alors ce vase là, ce grand vase là, il faisait 12-13 €, mais bon je vais le réutiliser. Là je vais faire une déco de Noël avec, mais je me dis à Pâques je vais pouvoir faire une déco de Pâques, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis ah oui, à Lidl aussi chérie s'est pris ça. Alors si vous avez des amis, des maris bricoleurs, en fait c'est un compas, je vais vous montrer, je vais le prendre. Voilà, ça fait un compas, équerre et rapporteur. Et un niveau. Oh, bah alors mes mères. Donc voilà, c'est pour lui faire des ronds, enfin voilà, quand je vous demande des bricolages. Hein chérie? Bon allez, donc du coup moi je vais débarrasser la table parce qu'il y a le bordel dessus. Et puis je vais mettre la table et on va pouvoir manger. Parce qu'après, moi c'est du travail, hein. Faut que je finisse la déco, que je finisse de filmer la vidéo du coup sur la déco de Noël, que vous puissiez la voir pour demain. Et puis il faut que je fasse le pudding et les crêpes aussi pour ce soir. Donc allez, on y va, on va débarrasser. On va passer à la table, je vous montre à quoi ressemble du coup ben, le poulet. Hop, une fois cuit. Alors j'ai juste épaissi un petit peu la sauce, comme souvent au Cookéo. Hein. On est obligé d'épaissir la sauce avec de la maïzena. Le fait que c'est cuit, oups là, à étouffer comme ça. Enfin voilà, que la vapeur reste à l'intérieur. Donc du coup la sauce ne s'épaissit pas naturellement comme dans une marmite. Allez, on passe à table tout à l'heure. En train de préparer le pain perdu du coup, ben, pour 4 heures.
Alors, dans un plat, enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je fais avec la brioche, mais vous pouvez très bien le faire si vous voulez avec du pain, enfin ce que vous voulez, du pain de mie ou le pain que vous avez à la maison. Alors, j'ai coupé ma brioche en grosses tranches et en gros cubes, hop, et je l'ai mis dans un plat avec 100 g de chocolat noir que j'ai cassé en petits cubes. Vous pouvez mettre des pépites de chocolat hein, si vous voulez, ça revient moins cher comme ça. Et c'est encore plus gourmand parce que vous avez des gros morceaux de chocolat. Ensuite, dans un saladier, j'ai versé 500 ml de lait, 125 ml de crème, 40 g de cassonade, 3 œufs, une cuillère à soupe de rhum et une cuillère à café de vanille liquide. J'ai tout mélangé et je vais verser ça sur ma brioche. J'ai mis mon four aussi en préchauffage, donc à 175, enfin à 180. Et il n'y aura plus du coup à enfourner le plat. Là, je vais mettre un tout petit peu de cassonade sur le dessus. Voilà. Juste une cuillère à soupe au-dessus. Je vais le prendre avec mes mains, ça ira mieux. Pour saupoudrer. Et voilà, c'est fini. Donc il n'y a plus qu'à mettre au four. Alors c'est une recette parfaite aussi pour le petit déjeuner aussi. Hein. Le petit déjeuner du dimanche. Avec de la brioche qui reste, qui traîne, ou un pain qui traîne. Ou Après voilà, c'est plus gourmand avec de la brioche qu'avec du pain en fait. Ça c'est sûr. Allez, je mets au four. Donc comme je vous ai dit, à peu près 40 minutes à 180. Crêpes, et je suis en train de faire cuire les crêpes. Alors la pâte à crêpes, c'est la même recette que d'habitude, je vous l'ai déjà partagée. Enfin, je suppose que tout le monde sait faire les crêpes hein. Mais voilà, je vous la mets quand même en barre d'infos, c'est une petite fiche enfin voilà, comme les fiches recettes que je fais d'habitude, que je vous avais tapées. Comme ça vous avez tous les mêmes si vous souhaitez. Donc c'est une recette que je fais au blender. Ça va très vite, on met tous les ingrédients, on fait le blender et c'est fait. Donc là du coup je suis en train d'en faire cuire. Alors surtout qu'en plus là, comme c'est pour manger, voilà, il faut une belle quantité quand même. Parce qu'ils ne vont pas se contenter que de une ou deux crêpes comme quand c'est un dessert. Ou quand c'est pour 4 heures. Hein. Alors, j'ai fait la compo aussi. Enfin, chérie a fait la compo. J'ai juste mis ma petite touche. J'avais acheté des jacinthes aussi. Je ne vous avais pas fait montrer ce matin. Des jacinthes blanches. J'adore l'odeur de la jacinthe. Alors, souvent au moment de Noël, j'en achète. Et après, chérie les plante au potager. Bon, ça, parce que ça repousse après. Hein. Voilà. Je vais vous montrer la compo. Je retourne ma crêpe. Hop. Baissez le feu pour pas que ça brûle. Voilà. Donc, en fait, comme je vous avais montré. Mais bon, après, c'est vrai que vous l'aurez peut-être vu aussi dans la vidéo
de la déco de Noël. Donc en fait ça fait ça. Donc ça fait un gros vase, un gros aquarium, enfin ce que vous voulez, que j'ai acheté du coup ce matin au magasin. Donc c'est Floralux en Belgique si vous ne connaissez pas. Enfin si vous connaissez, on ne sait jamais si vous êtes du coin. Avec dedans j'ai mis les deux petites fleurs ici. Donc c'est des, j'arrive jamais à le dire, hein, c'est les fleurs de Noël là, qui font rouge, rose, beige. Avec, non c'est pas des roses de Noël chérie, c'est des potentia ou un truc comme ça. Donc après j'ai mis ça là, un petit, pareil hein, les noms, j'y connais strictement rien. Et ça, alors ça, ça grandit, ça devient très grand je sais. Ensuite j'ai mis de la fausse neige. Ça fait comme une, comme du coton. Et au-dessus, en fait, après, j'ai mis de la fausse neige comme on a mis dans le village de Noël, avec quelques boules de Noël. Et j'ai aussi mis une guirlande électrique qui fonctionne à pile, comme ça. Voilà, qu'on allume. Et du coup, ben, voilà, ça fait son petit effet. Alors, c'est un truc, je sais très bien, parce que j'ai pas du tout la main verte. Donc, je sais très bien qu'elles vont vite... voilà, vite mourir, hein. À mon avis, elles vont durer le temps de Noël et après, elles seront mortes. Mais bon, j'ai ma batterie qui clignote, ça risque de couper. Mais bon, comme, enfin voilà, moi un bouquet, je le garde quelques jours et après c'est tout. Là, au moins, j'ai des fleurs, j'ai une petite touche de verdure pour quelques semaines, même si ça crève après, enfin ça revient quand même... Enfin, c'est plus rentable que d'acheter un bouquet de fleurs. Et puis là, c'était vraiment pas cher, hein, parce que les roses, j'en ai peut-être eu pour 4 euros pour les fleurs. Le reste, après, donc c'est réutilisable. Le vase, on l'a payé 13, 12 et des boîtes, c'est ça, chérie? Ouais, donc on va dire 13. Et, mais bon, je vais pouvoir le réutiliser et replanter des petites plantes comme ça. En fait, c'est des mini-fleurs qu'ils appellent ça. Donc, je pourrais en replanter en fonction de... voilà, de ce qu'on a envie. On pourrait peut-être même aussi se faire, tu vois, les ce qu'on appelle des succulentes, je pense. Tu vois, ça fait comme des cactus, là. Mais bon, comme, tu vois, le truc que t'aimais bien, que ça ressemblait à une rose avec des... que tu m'as même demandé, c'est un vrai ou un faux qu'ils avaient bombé en blanc? Ah, lotus. Ouais, que ça ressemble à une fleur de lotus. Mais ça, ils en font plein des formes comme ça, et ça s'appelle des succulentes, et tu peux mettre ça dans des aquariums aussi, comme ça. Enfin, des aquariums. Mais bon, après je crois que je préférerais changer en fonction des saisons et changer la compo en fonction de voilà du petit thème que je veux donner à la maison. Bon. Alors j'adore manger les crêpes, mais alors qu'est-ce que c'est long à en faire. Pour ça que je le fais souvent en dessert, je le fais jamais en repas, parce qu'en repas on doit en faire une quantité monstre et du coup on passe vite une heure voire deux heures en cuisine à faire cuire des crêpes. Bon allez, je vais continuer ça. On va manger. Donc du coup, c'est soirée crêpes devant la télé ce soir. Alors il est déjà 8h30. Hein. Alors on a fait les crêpes, mais ça faisait un moment qu'ils étaient finis. Mais on a cherché pour avoir un bon film pour ce soir. Enfin un bon film. Tiens chérie, il faut appuyer. Non bah là c'est en train de faire trop grand. On est en train de mettre le pied. T'es en train de faire trop grand là chérie. Là, faut rebaisser. Hop. Voilà. Aïe. Hop. Oh, non. Ici. Vous êtes installé. Alors c'est quoi comme film chérie? Time Boy, non? Je sais plus. Tu sais plus? Je pense que c'est Time Boy. Oui c'est ça, ça des jeunes qui ont trouvé, qui vont voyager dans le futur et en fait ils pensent pouvoir trouver une arme. Pour sauver le monde et en fait compte ils ont un coffre à jouer mais ils vont se servir de ces jouets pour quand même sauver leur quartier. Donc c'est ça, voilà. Donc c'est un film qu'on a trouvé sur Amazon Prime, comme on fait partie, on est Prime Amazon, du coup bah, on regarde un petit peu. Alors on a ça, on a Netflix. Allez, on va manger. Vous avez faim les loulous? Oui. Donc c'est sucrerie ce soir, que ça, que du sucré. Ouais, donc on a sorti beurre de cacahuète, pâte à tartiner, pâte à spéculoos, Nutella, cassonade et peut-être confiture. Je vais aller voir aussi pour en avoir de la confiture. Ça sent trop bon. Qu'est-ce qui sent bon? Ah, la pâte à cacahuète. Allez. Thank you.
allumé la deuxième bougie. Ça y est déjà. Ça veut dire que déjà deux dimanches sont passés et qu'il en reste du coup même plus que deux avant Noël. Ça passe à une vitesse folle, je trouve. C'est fou. Voilà. Encore deux dimanches, encore 15 jours, un peu plus de 15 jours et c'est Noël. Alors pour Chérie, du coup, moi, c'est sa dernière semaine et ensuite, c'est les vacances. Alors les loulous viennent de monter. Il est tard, hein, il est, comme je vous l'ai dit, déjà 21h40 passé. Mais bon, demain, ils n'ont pas l'école. Les deux grands n'ont pas l'école parce que leur lycée est fermé à cause des grèves et tout. En fait, ils préfèrent fermer pour être sûr qu'il n'y a pas de dérapage et que... Voilà. Et dans un sens, je préfère aussi avoir mes enfants à la maison et être sûre qu'ils ne risquent rien. On ne sait jamais quoi en fait. Bon, tout ce que j'espère, c'est que ça ne va pas durer encore trop longtemps parce que ça fait quand même 3 jours là. Ça ne manque de rien, 3 jours. Enfin, je suis bien contente qu'elle ne passe pas son bac cette année et qu'Angèle, c'est pareil, il n'y a pas de... Mais voilà. Donc du coup, voilà. Et Stacy commence à 9h. Je vais bailler, excusez-moi. Pardon. Et Stacy commence à 9h demain. Elle a une petite journée, elle fait 9h midi. Et elle n'a pas cours comme tous les lundis après-midi. Et nous, demain, c'est journée course. Donc, il faut que je fasse ma liste de courses aussi. Je vais sûrement faire un drive parce que demain, on a rendez-vous avec Chérie pour notre... pour les jambes. Enfin, c'est pas... Enfin, si, c'est des varices. Enfin, voilà, on n'en a plus. Hein, on s'est fait... Et moi, c'est pas des varices, c'est des... Vous voyez, c'est des petites veines apparentes, des petits vaisseaux en fait. Voilà, c'est surtout pour ça en fait. C'est juste pour un bilan de contrôle en fait. On doit se faire... Il y a un contrôle qui se fait tous les autant de temps, tous les 6 mois, voire un an. Pour voir si... Parce que voilà, les varices, quand vous en avez, ben ça revient. Donc il faut se faire entretenir les jambes. Donc voilà, donc du coup on a rendez-vous là pour 15h45. Donc du coup on va sûrement faire un drive avant pour pouvoir... Après, aller chercher tout ce qui est fruits et légumes. Donc, il faut que je fasse ce drive. Mais je pense que je vais faire ça demain matin. Je verrai. J'ai testé voilà, les petites perles là de la marque de chez Lidl. Alors, j'ai mis un petit bouchon avec un bouchon d'eau dans mon truc, mon brûle-parfum. Party Light, en fait c'est la marque Party Light, c'est un électrique, mais je sais que maintenant ils en font des comme ça, on en trouve dans le commerce, voilà, en grande surface aussi. Donc vous voyez, ça fait un truc hop, en fait, avec un interrupteur qu'on allume et qu'on éteint, et c'est la chaleur en fait qui fait fondre ce qu'il y a au dessus. Donc là vous voyez, j'ai mis un petit bouchon de billes et un petit bouchon d'eau, et je peux vous dire que ça sent très très bon dans la maison. Si vous aimez les odeurs de linge propre, de frais, de propre, oui, de propre, je me répète, et ben voilà, ça sent vraiment ça. J'adore moi cette odeur quand ça sent, vous voyez, le linge propre. Ça va être... Et puis en plus pour le prix, j'ai payé ça 3 euros, des brouettes même pas 4 euros. Il y a quand même pas mal de bouchons dedans. Quand on voit qu'une petite tartelette Yankee Candle, on la paye 2 euros. Voilà. Faut voir sur la durée si ça... Vous voyez, dans le temps, en fait, si ça dure longtemps, parce que la petite tartelette, on va dire que je peux la faire brûler. Souvent, je les coupe en morceaux et je la fais brûler en 3 fois, on va dire. Je la coupe en 3. Et donc, ça me fait 3 jours pour 2 euros. Donc, il faudrait... Donc, ça fait 2... Si j'en prends 2 pour avoir pratiquement le même prix de là, ça me fait 6 jours. Et encore, hein, 6 jours, c'est pas en continu. Hein. Donc, ça, faut voir. Mais bon, à mon avis, j'en ai pour plus que 6 jours. Bon. Je pense que je vais devoir aller un petit peu râler sur les loulous parce qu'ils ont tendance à parler. Et bon, malgré tout, Stacy commence quand même à 9h demain, donc il faudrait qu'elle dorme, même si les grands, eux, ils ont le temps. Et voilà. Donc je vais faire ça, et puis je vais même faire ça tout de suite et j'arrive. Voilà. J'étais dire quelque chose. Bon, mais du coup... Nous, on a une belle semaine qui nous attend. Hein, chérie? Dernière semaine? Ouais. 5, peut-être 4. Ça dépendra. Ça dépendra de la grève. Parce qu'en Belgique, voilà, ils annoncent une grève nationale vendredi. Donc, si c'est ça, en Belgique, quand c'est une grève nationale comme ça, ils s'arrangent pour que tout le monde fasse grève. Donc, on verra si chérie peut aller travailler ou pas. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, que t'ailles pas travailler. Voilà. Il s'arrange, oui. Il s'arrange pour que personne ne puisse travailler.
Même si vous n'avez pas envie de faire grève, que vous voulez y aller, voilà, ils s'arrangent pour pas que vous y allez parce qu'ils bloquent. Et voilà, et ils n'hésitent pas hein, à vouloir à vous empêcher d'y aller, quoi, en fait. C'est même un peu impressionnant. Voilà, c'est les gilets jaunes belges fois multipliés, voilà. C'est même impressionnant. Au début que Chéri était travaillé en Belgique, il y a eu une journée comme ça où il y avait des grèves comme ça. Et lui, plein de bonne volonté, voulait aller travailler, quoi, en fait, parce que... En plus, voilà, ce qui concerne la Belgique ne concerne pas là, forcément les Français, quoi, en fait. Donc, eux, ils font grève pour... mais nous, on n'est pas forcément concernés. On comprend qu'ils font grève, mais voilà. Donc, Chéri a voulu aller travailler pour en plus faire acte de présence et éviter de perdre une journée et tout. Et en fait, compte, il a dû revenir. Parce qu'il n'y avait pas moyen de passer. Et voilà, ils y vont, mais voilà, quitte à... Hein. Ah, ils ont pas peur, s'ils veulent rentrer dans le lac, ils rentrent. Voilà, ils vous empêchent vraiment de rentrer, quoi, en fait, hein, quitte à être violent ou... Patron, il y a bien sa faille, ça prend. Ouais, ouais, donc du coup, voilà. Ben... On fait pas les caïds avec eux. Non, non, bah, et puis après, voilà, vous allez pas risquer de... Voilà, ils vont vous bousiller votre voiture ou quoi que ce soit pour vous empêcher de passer pour une journée de travail. Je crois qu'il faut mieux quand même rentrer, quoi, en fait, parce qu'on sait jamais. Puis surtout qu'ils sont pas tout seuls, quoi, quand c'est comme ça, ils sont plusieurs, donc quand vous arrivez tout seul, vous faites pas vraiment le poids non plus. Après voilà, c'est compréhensible, hein, c'est ce que je dis, hein, mais il y a des gens qui ont besoin d'aller travailler ou qui ne peuvent pas se permettre de pas de manquer une journée de travail, ou parce que là, il y a même des magasins, il y a des moments en Belgique où ils sont obligés de fermer. Hein, il y a une année où ils empêchaient les gens d'aller faire leurs courses et tout, quoi, en fait. On ne pouvait pas passer. Ils ont décidé quand ils disent national, c'est national. Voilà. Ils bloquent le pays, quoi, en fait. Quand c'est national, ils bloquent le pays. Bon, après, c'est un moyen comme un autre de se faire comprendre, hein, mais c'est la violence que j'ai du mal à... Voilà. C'est ce que j'explique aux enfants aussi avec les grèves des lycéens et tout. Hein. Voilà. On peut se faire comprendre autrement qu'en cassant des voitures, en les brûlant ou en... Voilà. Mais bon. Mmh. Bon, allez. Donc, du coup, alors, dernière semaine pour Chéri. Et puis, du coup, il y a sa fête... De travail en fin de semaine. Ils vont fêter la Noël avec les enfants. Leur goûter, c'est pas un goûter, hein. C'est pas un goûter Noël, c'est vraiment un... Bah non, parce qu'il y a le repas et tout. Goûter Noël pour les enfants. Oui, il y a le goûter et puis... Enfin voilà, ça commence à 3h, ça finit, ça s'éternise jusque 7h30, 8h et ils font un petit repas. Enfin, un petit repas. Ça fait plus... comment dire ? Apérodinatoire. Oui, un petit apérodinatoire avec plein de petits trucs à manger. Enfin, voilà. Enfin, vous rentrez de là, vous avez plus faim, quoi. Et puis, ils font vraiment ça bien, hein, parce qu'ils font venir des choses pour les enfants et tout. Enfin, même pour les adultes. Une année, il y a eu un cirque qui était venu. Il y a deux mois, il y a des spectacles. Enfin, les spectacles, ça fait un moment hein, qu'il n'y a plus. Mais la dernière, c'était une rampe d'escalade. Ouais, des rampes d'escalade, ils font... À un moment, c'était un baby foot géant avec un taureau mécanique. Il y a eu un truc de... Ah, en hauteur, là. Comme dans les arbres. Ça s'appelle comment, ça ? L'acrobranche. Il y a eu... Enfin, voilà, ils essayent de mettre plein de trucs pour que tous les âges sont touchés, quoi, en fait. Enfin, je sais que mon maigre aime bien y aller. Parce que voilà, ils savent qu'il y a toujours quelque chose comme l'année dernière. Ils avaient mis des châteaux gonflables pour les plus petits, mais pour les plus grands, il y avait des baby-foot, il y avait des flippers. Voilà, il y avait plein de trucs qu'ils étaient adaptés aux plus grands. Donc, et puis ensuite, ils ont un petit cadeau en fonction de l'âge. Une carte cadeau, quelque chose, il y a le Père Noël qui passe, quoi, en fait. Et puis c'est l'occasion de voir les collègues d'une autre façon et voir ses responsables et tout d'une autre façon, donc c'est plutôt chouette. Donc, allez, donc sur ce, moi je vais vous souhaiter... Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? L'usine est une grande famille, qui est beau patron. Voilà, c'est l'ancien ou le nouveau ? Les deux. Les deux ? Parce que l'entreprise a changé de patron il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est vrai que l'ancien patron avait repris... en fait, l'entreprise où Chéri travaille, c'est une ancienne entreprise familiale qui avait été faite par deux frères. Deux amis, on va dire. Ouais, qu'ils avaient fait cette entreprise, deux amis. Et donc l'entreprise a
été vendu, et puis mais à chaque fois ça a été repris dans cette optique de rester une entreprise familiale en fait. Donc comme là l'ancien PDG qui est parti à la retraite en fait, c'est pour ça qu'il a revendu l'entreprise, avait racheté l'entreprise pour dans l'optique d'en faire une petite entreprise familiale, enfin de continuer dans cette optique et de passer sa fin de carrière, on va dire, parce que bon, il n'y a pas vraiment fini, parce que voilà, c'est un monsieur avec pas mal d'entreprises et tout, mais voilà, il voulait finir sur une touche familiale comme ça, et il a fait en sorte de pérenniser ça, quoi, en fait. Et le nouveau est exactement pareil, quoi, en fait. Donc, c'est encore rare d'avoir des entreprises comme ça, ou qui sont encore très famille, etc. Et donc, c'est cool. Ça donne une envie d'aller travailler quand ça se passe bien. Bon, moi, du coup, je vais vous souhaiter une bonne nuit et je vais aller me coucher. Et Stacy qui m'a aussi, elle va aller se coucher. Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches un chargeur? Il est là. Bon, allez, donc sur ce, moi, je vais prendre ma douche. Donc, je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain. Bisous.